avec nous. Parce que la Bible a dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Il faut connaître Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire c'est restaurateur, c'est réparateur, c'est dédommageur. Il faut croire ça. Il a dédommagé. Donc il faut croire. Et c'est ça qu'elle dit, m'a appelé de reprocher. Si tu es la femme, tu n'as pas mourir, non? Il dit, ma, tu peux me dire si tu crois? M'a dit, oui, je connais ces petits bon Dieu. Oui, je connais frère, non, je pour enlever. M'a dit, foi partielle. M'a encouragé des fois ça. M'a dit, oui, je crois. Moi, je crois là, ça, je pour lever, mais dans la résurrection générale, là. Moi, je crois pas encore des pouvoirs pour lever, pour mourir, pour lui limiter le Seigneur Jésus-Christ. Non, je comprends pas ça. Il dit oui, oui, moi, quoi là, ça qui est pour lever. Dans le dernier jour, mais j'en ai là, pour il déjà fini. Je ne vais pas faire rien dans ça, non. Alors que rien n'est possible. Rien, absolument rien n'est possible. D'ailleurs, c'est lui qui parle pour dire tout pouvoir. Peut-être ça, elle m'a dit oui, pourquoi dans la résurrection générale, même pas quoi dans la résurrection particulière, dans la résurrection singulière, dans la résurrection, pour qu'on n'y a pas quoi ça. Jésus dit, m'a montré mon côté de lui, bon, elle était vivante, elle va t'intéresser. Elle était malade, elle était malade, elle va t'intéresser. Elle te voyait tout ça, elle va t'occuper. Tu vas me crier qu'on y a un chat senti. Jésus-Christ dit, eh bien, montrez-moi côté lui, ça qui est important. Montrez-moi côté lui, on va voir ça qui passe. Et lorsque vous vivez, Jésus dit, Marc, waouh, grand trop. N'a pas dit avant, oui. Ou t'es fait résister trop. Je vais parler les pièces garçons pour les roches là. C'est où pour les roches là? N'a pas dit avant. Jean, yo pas aimé, écoute, travail ça. Ah, ma tape dit, bon, je l'ai senti. Mais là, dis vous roule les roches. Là, il y a des gens qui peuvent c'est vous pouler. Nous roule les roches. Ah, ouais, tout à l'heure, vous avez fait mentir sur moi, ou elle dit Marie. Ma brûlé, tandis que je ne dis pas de Marie. Tu vas aller Marie, pour qu'on y ait payé ça, roule les roches là. Maintenant, c'est logique. Et puis pendant ce temps, la Bible a dit nous, les matins, les roches dans l'immédiat, Lazare sorti tout soué. Ça veut dire toutes les matins, les rebelles, Lazare s'est fait pour l'endroit. Lazare fait coller sur le matin pour dire à la dame, rebelle, monsieur. Mais si sorti l'endroit, chaque fois, tout fait pour l'endroit. Allez, on dit avant. Donc, il faut que nous gagnions la foi. Amen, l'église. Et troisième critère, l'homme, de dire c'est pour nous gagner pas. Patience, amen, patience. On apprend tant de bon Dieu. Il faut que nous révoquions l'esprit mal pour vivre nous gagner. 2 minutes, 3 minutes. Tout bas, c'est face, face, face. Non, la caille, bon Dieu, il ne faut pas avoir patience. Moïse, montez sur mon nom, dit tant combien? 6 jours. Dans le front de roche là. 6 jours avant même que Dieu ait la gloire de Dieu. La gloire partielle de Dieu. Et bon Dieu dit, lui, moi, m'a passé. Mais ça qui est important, ou pas pour être tout moi-même, pas de monde qui a être tout moi-même pour le vivre. M'a foué ou dos. M'a dit, dos de Dieu, lorsque nous te lisons ça, il signifie bonté de Dieu. Parce que chaque fois qu'on employe, mais bon Dieu, prier bon Dieu, la Bible a dit nous, Dieu est esprit. C'est ça, yo mettez main bon Dieu, pied bon Dieu pour compréhension pas, pour compréhension pas, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc chaque fois que vous parlez de main, mon Dieu, soit tu fais intervention avec main, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Mon Dieu manifesté. Mais langage anthropomorphique là, il est employé pour moi-même avant, nous comprendre notre dimension l'homme. Dieu est esprit. Il ne va pas ni pied ni. Donc lorsqu'il parle de dos, mon Dieu, il s'agit de. Bonté, mon Dieu, j'en ai eu dans le texte. Maintenant, on a terminé. Nous devons faire synthèse dans pour capable capter bien ensemble avec nous. La gloire de Dieu
Chers frères et sœurs, en plus des critères, nous avons un pilou. Mais si nous avons chuté à ces critères, comme nous avons dit, il faut sanctifier. Parce que Moïse n'a pas qu'à monter à sandal là. Pour la gloire de Dieu, il faut consacrer. Bon, pile critère que nous avons chuté à ce jour, mais on connaît. Là, je ne respecte pas dans la gloire, bah oui. Gloire à Dieu. Maintenant, pendant un petit temps, nous t'arrêtons, mais est quelques privilèges qui gagnent les bienfaits de la gloire de Dieu. Les bienfaits de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, non seulement réclamer des conditions, des critères, mais aussi des avantages là-dedans. Il y a des bienfaits que nous sommes capables de joindre lorsque nous sommes d'accord pour nous chercher la gloire de Dieu. Cependant, gagner des bagailles ou joindre notre Dieu. Malgré dans n'importe qui. Mais nous portons attention pour nous dire ça. Il y a des choses qui jouent dans mon Dieu, malgré dans n'importe qui. Parce qu'il y a des choses qui font partie de la grâce commune de Dieu. Ou des méchants, la fait la vie à tomber dans le jardin, nous n'en jamais juste. Il y a des choses qui jouent. Ce n'est pas parce que vous avez une relation avec mon Dieu, non. Mais c'est seulement parce qu'il fait partie de la grâce commune de Dieu. Pour moi, tu vas gagner des proches en tant que créateur, il fait un geste avec vous. Mais ce n'est pas parce que vous avez une relation avec mon Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas pour mon Dieu la gueule dans mes mains. Faut remplir les conditions. Amen. Parce que je ne pas prendre peine pour me la gueule devant pour ça. Non, il n'y a pas pour jeune dans mes mon Dieu, faut remplir les conditions. Donc la gloire de Dieu, lorsqu'elle envahit cette dimension. Vous n'avez pas que la gloire de Dieu faire, c'est la gloire de Dieu. Lorsque vous avez une révélation spéciale, ça veut dire qu'il y a un niveau, une dimension spéciale dans votre vie. La gloire de Dieu est révélatrice. Il va cacher pour le monde qui cherche le plus grand plus conditionnel. Et c'est ça que l'exode chapitre 24, verset 6, 7 ans, Moïse joue une révélation spéciale ça dans le monde. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, pour l'avantage de Moïse, Moïse étant une révélation du vrai nom de Dieu. Là, il dit l'Éternel, un hébreu qui signifie Yahvé, qui signifie moins présent, m'a toujours présent. Donc, son avantage en plus que Moïse en jeune, lorsque lui jeune révélation ça. Donc, lorsque vous cherchez la gloire de Dieu, il y a un bagage qui cache bon Dieu qui a révélé. Amen. Oui. Ou bien, je vais vous dire révélé pour théologie, pas de problème avec, parce que vous avez dit bon, mon révélation n'a pas existé encore, parce que l'Apocalypse, c'est la dernière révélation que vous avez fait, Jean, pour me retirer le langage là. Mais il y a des bagages, lorsque vous marchez avec mon Dieu, je la gloire de Dieu, il y a des bagages, bon Dieu, qui a illuminé au souli. Il y a des bagages qui a passé dans la maison, bon Dieu, qui a illuminé. Il y a des bagages qui a passé dans l'église, bon Dieu, qui a illuminé. Éclairé, c'est ça que je dis. Pour jeûner la gloire de Dieu, plutôt on va au besmet, mon carré la gloire de Dieu, carré présence, mon Dieu. Parce que même à besmet, mon Dieu, il y a la contre, mon Dieu, dans le monde, il n'y a pas de carré, si on va bénéficier la gloire de Dieu. Et ça fait sa vie à chanter, plutôt me souffrir, plutôt volonté, mon Dieu, fait. Donc Moïse, pour avoir une révélation, ça. La gloire de Dieu va le révéler avec Moïse. Dans le verset 7 là, il va le révéler une dimension. Amen. Une dimension qu'elle va montrer Moïse qui laisse le mien. Non seulement l'identifier non avec Moïse, mais elle va dire Moïse qui t'aime dire bagaille. La gloire dans ce sens ça, manifestation dans ce sens ça, lui conserver, il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Ça, c'est une dimension que Moïse vient joindre pendant que tu as imploré la gloire de Dieu. Bon Dieu, pas le dire, mais qui bon Dieu est premier. C'est bon Dieu qui l'amour continue jusqu'à 1000 générations. C'est bon Dieu qui pardonne l'iniquité. Amen. Dès que mon péché, depuis le vide devant avec tout cœur, la joigne pardon. Voilà pourquoi ça lui sent dit le vrai pardon, c'est tout qui bat auprès de Dieu. Parce que dimension que péché est arrivé, bon Dieu va pardonner. C'est l'homme qui va pardonner. Mais bon Dieu va pardonner. Donc il dit, pardonner et pardonner rébellion. Il dit, moi t'aimer,
Moi, c'est un bon Dieu, parti Moïse, une dimension qui donne pour Moïse. Moi, c'est bon Dieu qui ne prend pas innocent pour coupable. Et très souvent, la justice humaine mettait des innocents en prison. Mais bon Dieu, pas prend innocent pour coupable. Donc, le monde qui péché à celui qui a fait prière. Et c'est ça qui a parlé, même devant le béma. La Bible a dit, nous avons des petits chapitres 7 ans. Et bien, la Bible a dit, nous faut tous comparaître. Nous tous apparaître. Amen, lui. Elle a dit, mais l'arrivé plus devant, pour ne pas montrer ma douille, il n'y a pas de prendre une possibilité. Pour nous faire changer, il dit, ce n'est pas parce que nous tous apparaître, non. Parce que si maintenant le Seigneur a dit, toutes les vies apparaissent, tout le monde là qui prêt, va venir tout le monde lever. Mais s'il a dit chaque de nous, et là j'entends la parole. Heureusement, dit, il nous faut tous comparer afin que chacun, elle dit, innocent pas payé pour coupable. Donc, il révèle la Moïse dans ce sens-là, ce frère et soeur. Donc, lorsque vous avez la gloire de Dieu, lorsque cherchez la gloire de Dieu, respectez les critères, il y a une dimension pour rejoindre mon Dieu en puissant. Bon révélation, bon illumination pour qu'on rejoigne dans mon Dieu puissant. Nous avons notre privilège que nous jouons, c'est que la gloire de Dieu lui mettait nous en position d'élévation. La gloire de Dieu nous met en position d'élévation. Lorsqu'on bénéficie de la gloire de Dieu, lui lever en dignité. Est-ce que l'Église a la même? Et c'est ça le fait pour Moïse. Lui lever Moïse en dignité devant le peuple là. Dans Nombre chapitre 12, pendant que M. Daniel a compilé au complot contre Moïse, il a parlé lettre contre Moïse, Bible a dit, moi, dans Nombre chapitre 12, verset 1er, a continué, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit au verset 2, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et lorsque il a parlé l'aide pour ça avec Moïse, il a excité mon Dieu. Parce que nous qui avons gloire mon Dieu dans la ville, nous ne pouvons pas parler sur n'importe qui gens. Amen. Nous qui avons gloire mon Dieu dans la ville, nous ne pouvons pas passer dans la bêtise. Est-ce que vous avez fait samedi? Nous qui avons gloire mon Dieu, nous ne pouvons pas mettre de la terre. Ça, c'est un avantage que lié ou avantage Baba Moussa. Lorsque vous garantissez recevoir la gloire de Dieu, vous manifestez vous-même. Dans ce que tu là, et nous pas pour la parler à pour que Moïse. Dans le verset 9, la colère de l'Éternel se flamme contre eux. Et il sera là. La lumière se retira de l'esprit de la force. Et voici Marie et les frappes et les parce qu'on nous qui les gloire de Dieu, nous qui les fils sur la gloire de nos paracles, pour attaquer les villes. Les bleus comme la neige, calais, messieurs l'agneau. Matou, madame, si tu n'as pas les boulots à qui l'on a de la gloire de Dieu, madame, c'est malédiction à bâtir et tout, vous famille. Nous disons la gloire de Dieu qui fait face à la gloire de Dieu, leur parler mal, c'est ma tichon à partir de sous vous. Leur attaquer, c'est propre tête ou attaquer. Lorsque la gala rien pour eux, Moïse, il t'a traité pour rien. Moïse, il t'a fait complot pour eux, comment il a éliminé là. Bible a dit c'est même Moïse, alors, Aaron dit dans verset 11, dit à Moïse, de grâce mon Seigneur. De grâce mon Seigneur. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. De chaque fois qu'on attaque, nous qui avons gloire mon Dieu, rayonner dans la ville, ou sont insensés. Ça veut dire qu'on va gagner mon sens. Et donc nous sommes rendus coupables. Nous venons prier, venons prier devant Moïse. Pour Moïse pardonner, lorsque la gloire de Dieu, lui lever en dignité.
densité. Il est bon en élévation. Et ma demande pour même monde matin la gloire de Dieu élevé déjà. La bonne parce que quelqu'un qui monde qui va dire même accès pour là on relève le téléphone. Mais qu'on a c'est lui qui a fait transfert vrai pas monde. Il y a monde qui va même caper au course camionnette mais qu'on a goûté monter avion. Il y a monde qui va caper au course camionnette. Les la sortie se mandé la manette la qui machine pour sortir aujourd'hui là. La gloire de Dieu élevé. Amen l'église là. Mais pour Dieu lever la dignité. La gloire de Dieu, c'est ça le fait. Il peut vous lever avec eux. Il peut Moïse la situation là. Il fait camper devant même monde qui va vous lever. Et Joseph dit, c'est pas seul Moïse, non? Moi-même tout. Situation bateau. N'est-ce que pour moi, je vais me comme esclave. Parce que mes promesses, mon Dieu, sous tête moi. Mais Dieu fait plein pour te touiller. Mon Dieu, tes vieux plans. Yo vend moi comme esclave. Pas ça pile brimade. Mais ça me remet. Mon qui a la gloire de Dieu dans la vie ou pas cabaret. Est-ce que c'est bizarre là même? Si vous avez la gloire de Dieu dans la vie ou pas un poste travail qui cabaret. Si vous vivez poste toi qui vous le barrez, c'est révocation. C'est révocation là aussi. Ça bon Dieu voulait mieux. La gloire déjà de Dieu prier dans la vie déjà. Ou pas qu'empêcher de vivre. Ou pas qu'empêcher ma mère. Ou pas qu'abarem. Ça me rime. Laisse que ma voix vienne marrer. Non, Genèse chapitre 14. Non, Genèse chapitre 45. Moïse, pendant que messieurs sont venus, viennent chercher la vie dans même Moïse. Tenez ça, Moïse dit dans verset 13 là. Et vous raconterez à mon père toute ma gloire. Amen, l'église. Il dit, monsieur, nous adorons, même moi nous t'es attaqué. Même moi nous t'es dit, répoyant, n'a où ça la devenir. Même moi nous t'es vendre pour nous pas posséder les vendants. Même moi nous t'es voyagé. Amen. Mais la gloire de Dieu ramassée. A dit papa pour moi. A dit papa pour moi. Qui ça nous est? Comment vous élevez en gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous atteignez et vous ferez descendre ici mon père. C'est pour nous presser. La même bonne diable, que mon Dieu bénisse l'église. Amen. On nous dit béni soit l'éternel l'église. Nous qui croyons dans la gloire de Dieu, priez béni soit l'éternel. La gloire de Dieu brille dans la vie. Joseph dit aimé. Mais ça nous bat de l'eau, attendez. Mais c'est lui qui veut. Dit papa, comment mon gloire. Comment vous connaissez ta mettre la gloire matin. Alléluia. Nous qui avons mis l'eau dans la famille, nous cherchons la gloire de Dieu. C'est lui pour témoigner. Amen, amen, amen. Yes. Vous cherchez lui pour témoigner. C'est lui pour témoigner. Pendant toute l'assemblée a pensé pour la vie de Moïse. Moïse levé en gloire. La gloire de Dieu. En plus, révélez-nous la bonté de Dieu. La gloire de Dieu nous révèle la bonté de Dieu. Et c'est ça que dit Moïse, l'Exode 33, verset 19. Là. Je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Mes amis, comment nous avons la bonté, mon Dieu? Quand on dit bonté, mon Dieu, ça veut dire c'est sous toute bon bagaille. La bonté de Dieu, c'est la source de toutes les bonnes choses. La bonté de Dieu, il dit, a-t-il pour moi? Oui, la gloire de Dieu. On voit la bonté de Dieu. Dans les psaumes 100, il a dit, la qui la bonté de Dieu, il dit, car l'éternel est bon. Et sa bonté, Dieu. Où est la gloire, mon Dieu, levé en dignité, pas de monde qui a baissé. Ah, là, on comprend ça. Voilà pourquoi la caille, mon Dieu, c'est marche pas marche.
sans pas bon Dieu sortir monter avec nous, parce que depuis monter avant net, pas que nous qui avons l'échelle à la gouate, pas que nous qui avons magie pour mettre à tête, parce que la bonté de Dieu est dure à toujours, et même leur mourir, c'est pour bonté mon Dieu continuer. Amen, oui, amen, oui, les visas, amen, oui, les visas, amen, oui, les visas, l'on fait face à la gloire de Dieu, puis si tout pas passer mal. Bon, pas engagement pour me dire ça, si vous ne parlez pas, qu'il doit passer mal. Et même les gens qui ont cité, c'est pour la bonté de Alléluia. C'est lui qui me dit ça, postérité ne va pas passer mal. Ou pas, même après la mort de Moïse, la bonté de Dieu continue dans le peuple d'Israël, mais continue dans la vie, Josué, t'as marché à Moïse. C'est ça que dans Psaume 31, verset 19, celui qui a dit, oh que ta bonté est grande, que tu mises en réserve pour ceux qui te plaignent, et donc tu uses envers ceux qui te confient. La bonté de Dieu passée, elle prend David. Il fait route à David. La bonté de Dieu passée, elle prend Esther. Malgré aux petites soyettes. Par nous, pile mesdames, crèche cheveux, tombé sous deux, et c'est pas avec la petite tête, grenouille. Et puis maintenant, elle apparaît la gloire de Dieu briller. Amen. Mais la gloire de Dieu briller. Stéphine Pifré. Et Stéphine Pibel. Amen. Il est bizarre. Amen. Il est bizarre. La gloire de Dieu embellie Esther. Pendant que c'est passé. Ou apparaît l'autre qui vous fait sixième matin. Ou apparaît. Alléluia. La gloire de Dieu. La bonté de Dieu. L'élevé de nous bonté, mon Dieu. Et voilà pourquoi. Non seulement le passé avec David, mais Salomon, lorsque le ministère a rencontré des situations dures, Salomon fait une déclaration pour le dire, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et c'est avantage ça que nous gagnons. Mais elle se renouvelle chaque matin, à l'instant même. Depuis la gloire de Dieu, prier dans la vie, bonté, bon Dieu, continuer. Amen. Comme on attend, mais bonté, bon Dieu, durer la famille. Ça veut dire chanter pour dire louer l'Éternel car il est beau, car sa miséricorde dure à toujours. Mais là, c'est bon, 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 extrêmement avancé, nous devons finir. Même t'as prêché pour même pour de la bonté de Dieu qu'on mettait ennemi nous en déroute. Comment nous qui avons ennemi sur vous là? Métier mon Dieu, l'an Deutéronome 33, depuis ces ennemis qui étaient campés sur route d'Israël, sur route Moïse, mon Dieu, mettez-vous en déroute. Ils débarrassaient. Maintenant, pour quoi la gloire de Dieu, la prière dans la vie, depuis ces ennemis qui empêchent vous avancer. Là, nous parlons des ennemis, pas un monde seulement, non? Maladie, ennemi. Sucre, ennemi. Tension, ennemi. Raser, ennemi. Doué tout le temps, ennemi. Quatre crédits à gauche, à droite, nous doué. Et pourquoi dans la gloire de Dieu, la clé tout ennemi, tout ça qui empêche d'avancer, tout ça qui empêche de progresser, c'est pour faire route. Et puis, bam, passer. Amen. Maladie, faire route. Bam, passer. Pas les mal, faire route. Bam, passer. L'esprit laser, faire route. Bam, passer. L'esprit expédition, faire route. Bam, passer. Alléluia. On finit. Ça me remet la gloire de Dieu permettre que nous réunions. Ou bien j'en fouille. Bon, ce mois de Satan même, il va dire un peu fouille. Il va regarder. La gloire de Dieu, c'est pas mon diable, oui. Où est la gloire de Dieu rayonner dans la vie ou? Même l'autre malheureuse qui pile malheureux, mais où son grand nez dans mes yeux. La gloire de Dieu. Et ça fait Moïse pas t'égarer. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. La Bible a dit que Moïse a retourné, la gloire de Dieu rayonné dans tout Moïse. Pendant que M. Daniel a parlé, il y aurait pour Moïse changé. Et puis même côté à tout M. Chaboba, tout gardé à terre. La gloire de Dieu brille dans le visage, à adresser à Bakaga de Nazi. Quand ça s'en va, il a dit qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Mais depuis que gardé, la gloire de Dieu a pété le grenier. Amen. Il est bizarre. Ok, je vais terminer pour me dire. Après 6 jours, Moïse recevra réponse de la gloire de Dieu.
Mais après 6 jours réveil, 7 jours réveil, est-ce qu'on est prêt pour refléter la gloire de Dieu? Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez fait un peu la gloire de Dieu dans le visage, même dans le visage, quel content. Je suis fou, amen. Regardez comment va tomber. Allez, et puis tu as la vie dans l'autre couleur, j'ai vu. Gloire, gloire, ma fille. Ouais, donc, mais là, je vais me assurer, ouais. Mais je vais me assurer. Dans les bénédictions, c'est marcher le marché derrière, et pas même encore marcher derrière les bénédictions. Que la gloire de Dieu rayonne dans la vie. Mais là, elle rayonner, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Et ça, Paul t'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, c'est pour nous refléter la gloire de Dieu. Comment? Parler de ça, mon Dieu, qu'a fait. Parler de ça, mon Dieu. Lever, mon Dieu, yo mettre critique. Tout le temps, chanter gloire, mon Dieu. Depuis que tout le monde vient témoigner, vous avez témoigner. Amen, oui. Rayonner la gloire de Dieu. Refléter la gloire de Dieu dans la parole. Dans ce qu'on a dit, refléter la gloire de Dieu. Et refléter la gloire de Dieu aussi dans le comportement. Amen. Dans le comportement à Marie, refléter la gloire de Dieu. Pas pour que nous bien habillés, nous avons dit Amen, là, et puis Marie, nous avons passé calme, non? Pas Marie en bago, pour dans rien, nous avons vieux frigidaire coulé ou l'autre côté, et puis vu nous tomber, pas Marie en bago. Ou vieux chaise ou en nous, ou la caille, ou l'ori, ou en tant que ça, ou là, ou refuse de changer. Ou à soi, ou après. Donc c'est pas bien. Il y a un qui a une gloire, mon Dieu. Donc il y a une gloire, mon Dieu. Là, la gloire de Dieu rayonne dans la boue, ou respectez nous. Ou respectez leader. Amen, l'église. Ou pas habiller n'importe comment. La gloire de Dieu dans la vie, il y a des vêtements, c'est un message pour moi, mais pas qu'à notre projet, c'est moi. Parce qu'il n'y a plus à la parole. Parce que je m'en habillé, il dit rayonner la gloire de Dieu. Je m'en parlé, il dit rayonner la gloire de Dieu. Je m'en comporté dans l'école là. Je m'en comporté dans le visage. Il dit rayonner la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que Dieu vous bénisse.